3, 4. Alors, je suis en BTS gestion des petites et moyennes entreprises au sein de Chalon Formation. Ça mène à devenir assistante de gestion, donc le bras droit de notre patron d'entreprise. Si j'ai choisi ce BTS-là, c'est pour sa polyvalence, la pluralité du coup des matières, donc gestion comptable, gestion financière, ainsi que de la gestion commerciale. Effectivement, après ce BTS-là, la continuité, c'est la licence gestion des organisations, ainsi qu'après le master stratégie et gestion d'entreprise. Donc c'est la continuité même du BTS gestion des petites et moyennes entreprises. C'est donc pour cela que j'ai choisi cette matière-là. Alors ce que je préfère, c'est l'alternance, d'être autonome financièrement, de pouvoir me gérer toute seule, du coup. Le fait de sa polyvalence, du coup d'avoir plusieurs matières, et puis les débouchés surtout. Alors c'est la diversité des formations qui sont présentées aussi dans le Grand Chalon. C'est aussi une vie très accueillante pour les étudiants. Il y a une pluralité aussi d'événements organisés par le Grand Chalon, ainsi que le chèque étudiant qui est accordé aussi. Alors moi je leur dirais de se faire confiance déjà, parce qu'après le post-bac on ne peut pas peut-être forcément trouver directement sa voie, c'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment de se faire confiance, d'y aller, de choisir après sa formation, de sa propre volonté et de sa propre envie. Voilà, que ce soit de l'alternance ou non. Go, go, go.